tango nzamba tinda ibabo mabana ya Job. Bangombe bakufa kito bakufa kite. Bakufa ki. Hein? Bakufa ki. Hein? Bangombe bakufa te. Bakufa ki. Ouais. Bangombe bakufa te. Mais balai bakufa batu. Très bien. Ezaboy. Ah, c'est que batu ango batiki na bangoka ya bangombe me bazui batu. To babomi batu me batiki bangombe. Te bangombe ba leva ki bango me batu nde bakufi. Ouais. Au monde évangile éternel et puis ça pourquoi place pas te bango monate. C'est awa toke na théologie au monate frère. Cela veut dire que Ngi koloba. Les bébés ne sont pas morts. Les bangombe bakufa kite. Mais ils étaient enlevés. Kasi bango balongwa kinde. Voilà pourquoi yango le tina... fouya mokimi. Toba to bakimaki. C'est que place zela. Toro bango la lingala. Place batu bazalaki na bangombe. Jugement kiteli batu bana bakufi. Mais moi na moko akufate. C'est que mutu moko akufate. Il y a mon indenga batunyos bakufi, mais il y a bangi. Nani liwe bang ata binomoko. Si il fallait pêcher batune que ce que papa, bana nyos bakufi, bo yo bikin dengeni. C'est ça. C'est que amoni penda bana nyos bakufi, mais bangombe ba leve, amon lande bangombe ba okende. Mais bangombe ba kei, mais bana bakufi. Mais il y a moko ayen ngamora moto la biki. C'est que ça mutu moko liwe kokaite. Amen. Et celui qui peut expliquer les choses, c'est celui qui est le fouillard. Ah, boyokite, hein? Boyokite. Yoka. Vous m'avez pas entendu. Sœur Marie, Azala Zem. Pour que vous soyez à votre place à Banyama. C'est que vous avez à Kinyama. Parce que Jean-Baptiste n'est pas mon nom, il est à la pâte à Zam. C'est que Yeso à Kinyama. Mais à la Kipé Moutou. Si vous avez à Golgotha, tant que vous êtes là, vous avez à Koufé Zalan. Ah, c'est que Yesu lokola mutu esengelaka kufa mais le roi mosali ngombe atikala. Ah bon moment je ne raisonne pas. Paul dit ngombe bakangake munokote. Oui. Il ne parlait pas de ngombe mais il parlait de ministère. Voilà. C'est que ya kufa ezalaki mutu mais ngombe akufate. Yes. Il travaille jusqu'aujourd'hui chez nous de azako sala kino lelo kati na. Cela veut dire quoi? Yango ni koloba nini boyokite. Nabandeli, kolo yesu apambola biso. Amen. Kolo yesu apambola biso. Amen. Boyoki wala te nabandeli. Frère moko atambula komone Moïse. Atambula, akeko kute égyptien. Azobeta ebre. Oh, celui qui condamne, c'est l'égyptien. Celui qui domine. Celui qui frappe, c'est l'égyptien. Moïse a compris que. Si je laisse l'Égyptien, l'esclavagisme va continuer. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a arraché l'hébreu. Il a tué l'Égyptien. Mais qui était l'Égyptien? C'était Moïse. Qui était l'hébreu? C'était Moïse. Mais quand il a tué l'Égyptien, parce que l'Égyptien c'est le maître qui dominait. C'est l'acte. Que Moïse a effacé pour que l'hébreu soit libre. Mais ses frères ne l'ont pas compris. Il part chez Sephora. Voilà Christ. Bien que à la croix de Golgotha, il a effacé l'acte. Mais Israël ne l'a pas compris. Il a laissé Israël. Il est venu chez nous les païens. Parce que la femme de Jésus, c'est l'église aujourd'hui. C'est Sephora aujourd'hui. Aujourd'hui, il ne combat pas. Bien qu'il a effacé l'acte. Mais un jour, il va laisser sa femme. Voilà la bataille d'Armageddon. Quand Christ va descendre à Israël, c'est pour détruire Pharaon. Et ça sera la traversée de la mer rouge où Israël va chanter. Ça sera la délivrance totale. Armageddon, ce n'est pas aujourd'hui. Armageddon, il faut que Jésus-Christ
Jésus-Christ termine le travail chez et vous, ça, 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 quand il va retourner, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Poto suka wana peto sambil. Wemi mutu mongo boye Goliath. Atele mi pende atala Israel. Ya zali kolo angomba. Israel pe na kote angomba. Siko Goliath atali bango li kolo angomba voti abibo. Nde bango yon soba zali kolo angomba ala na oyeba mutu ya makasite. Abibo bolu ke langa mutu mongo akita. Yongale to obunda li kolo angomba te nase. So soka kiti. Alongi nga kuna na sekre. Tango wa kumata bisonyo sotokomi ba umbo la bidu. Voilà. Senga pe na longie. Tango to kumata. Kolukana kumata te so kiti te s'il vous plaît. Kolukana onte. Kitana. Oui. Ezala betapu sunzamba ko legisa ondima. Akumata sona sima. Merci. Il n'y a pas la gloire sans la souffrance. Kembo ko ikoya te so ki passe. Il n'y a pas l'élévation sans l'humiliation. Tomba ma que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Maintenant, quand Goliath parlait comme ça, David arrive. David a comme. Ah, naibito soba toi, misu bazawa Jésus. Ah. David a yo ki Goliath. Il a compris que Goliath est aussi nabomai. C'est le lion qui rugit. Amen. Lui n'était pas le lion. Mais il rugissait. Amen. Comme elle. Il regarde son église. Il dit que vos cœurs ne se troublent pas. Cet esprit concis. Je vais le vaincre. Parce qu'un jour. Lion moko aya na landa na David. Likamba lion aya wanini. Lion ango yeyu. Parce que na longa e na Golgotha na kolonga e Jesus. Merci. Cela veut dire quoi? Nous disons. Tozo loba. Armageddon. Armageddon. Il n'y aura pas d'autre bataille. Et tout même sous ce qu'on a fait. Ça sera l'explication de ce qu'il a commencé à faire. Et ça dit limbo lia oya bandaka. Et parce que Jésus-Christ a vécu à la croix. Et te oya yesa longa kine kurusu. Cette victoire là. Et longa wana. Va nous conduire jusqu'à la fin. Voilà pourquoi les enfants d'Israël, quand ils ont traversé la mer rouge, j'aime ça. Ils ont chanté. Ils ont dit, Seigneur, le souffle de ton narine. C'est que Nzambe a le baboy. Moïse t'en a tchèque nzete, y'a qui Moïse te. Y'a qui Nzambe n'a tchèque. Merci. Voilà le ministère du crocodile. Parce que c'est le crocodile, quand il souffle, il y a le feu. Parce que quand Dieu inspire, c'est l'état de la grâce. Tango azo benda pema boy. Tu n'as voulu ni. Il est. Olinga kite. Mais quand il va respirer, full la erreur de jugement. Parce qu'il y a plus l'offrande. Vous attendez. Et à ce temps-là, l'abîme prendra la forme de la chevelure d'un vieillard. Parce que c'est le passage du crocodile. Que le Seigneur vous bénisse. Je veux dire vrai. La bataille d'Armageddon. Ça sera la fin. Et maintenant, quand Israël a traversé, il a chanté, il dit, Seigneur, les Philistins vont trembler. Les nations vont trembler. C'est-à-dire que simple traversée, c'est la victoire totale. Je dis à quelqu'un qui a crié à la vraie parole de ne pas trembler devant les épreuves. Parce que Jésus-Christ a vaincu. Il y a aujourd'hui, il y a les épreuves. On ne peut pas manger aujourd'hui. On peut passer des temps difficiles. Mais la victoire se trouve cachée dans nos cœurs. Elonga ezala kaka motema na. Se levera. Tangu David akotele. Nous allons comprendre. Donc on sait cela. Parce que David a dit. Pembe te David a lobaki. Qui va enlever l'opprobre. Le propre. Le propre. Le propre. Le
La chair que nous portons, c'est la chair de l'opprobre. Vous attendez? Je sais pas, parmi nous, il y a des gens fatigués parce qu'ils ne sont pas mariés. Fatigués parce qu'ils n'ont pas voyagé. Parce qu'ils n'ont pas l'argent. Je dis que c'est le corps de l'opprobre. Mais ne t'en fais pas. David a vécu déjà le lion. David a avec l'ours à la croix. Ce qu'il reste, c'est la manifestation. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Merci. 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 Je vais dire ceci, je crois qu'on doit vous libérer dans quelques minutes avant que.